ce soir. Merci, je passe le micro à M. Kamara. Yeah.
au sein de la grande maison de la jeunesse des matins. Aujourd'hui, nous vous avons appelé pour prendre part à une conférence, notamment à un lancement officiel d'un mouvement né depuis les États-Unis d'Amérique. Il s'agit en l'occurrence de la tenance des forces pour le renouveau en Guinée, à Forêt, en Abidjan. Donc, je vais vous faire présentement la lecture de la programmation d'aujourd'hui. Nous avons effectivement le discours de bienvenue de M. le coordinateur national du mouvement. Ensuite, nous aurons une projection de deux documentaires sur les objectifs du mouvement. Par ailleurs, on aura la formation des jeunes dans l'entrepreneuriat et commercial, et sans oublier l'intervention des différents représentants des cinq communes de la capitale Conakry. Et ensuite également, on aura la participation citoyenne des adhérents dans le processus démocratique. Et après tout ceci, nous allons marquer une pause de 30 minutes jusqu'à pour la pendance du palais du banquier qui a été organisé par les organisateurs. Et on va reprendre encore la conférence, cette fois-ci sur un programme basé sur l'intervention des membres et autres citoyens. Notamment, ça sera l'occasion de poser des questions sur les objectifs du mouvement et sur la création du mouvement et sur autres questions qui peuvent effectivement vous permettre de prendre part à ces grands mouvements. Et enfin, on aura des critiques et des suggestions. Soyez donc les bienvenus à cette grande assise. À présent, nous allons écouter le discours de bienvenue de M. le coordinateur national. Bonsoir, madame et mesdames et messieurs, distingués invités. C'est pour moi un insigne honneur ici une jeunesse aussi engagée, une jeunesse dynamique, une jeunesse consciente, une jeunesse leader. De ce mouvement qui a vu le jour aux États-Unis, comme l'a si bien dit. Ce mouvement porte le nom d'un forêt qui est l'Alliance des forces pour le renouveau en Guinée. Quand on entend parler de l'Alliance des forces pour le renouveau en Guinée, bien évidemment, il y a certains qui vont penser, peut-être, c'est la naissance du pauvre. Mais bien sûr, c'est la naissance du pauvre. Mais quel est le politique? Ce mouvement a pour but de rassembler toute la jeunesse guinéenne autour des médias, autour des mêmes objectifs. Et cet objectif, c'est quoi? C'est de nous permettre de nous affirmer, c'est de nous permettre de nous hisser, je dis bien, à la prise de décision. C'est-à-dire, quand on parle de la Guinée, il faut forcément parler de sa jeunesse. Quand on parle d'un pays, le modèle de développement de n'importe quel pays du monde, c'est sa jeunesse. Mais cette jeunesse ne doit pas s'endormir. Cette jeunesse doit se réveiller. Cette jeunesse doit savoir où elle va. Mais également, cette jeunesse doit avoir des ambitions. Il ne s'agit pas de sortir juste pour chanter pour quelqu'un, danser pour quelqu'un, parce que il est là et vous avez ici peut-être une pression pour aller céder les pieds pour lui.
aller faire de n'importe quoi pour aller. Mais il faut savoir revendiquer son droit. Mais avant de revendiquer son droit, est-ce que vous vous êtes acquitté de votre devoir vis-à-vis de votre nation? C'est ça l'objectif. Il faut oser. Il faut oser. C'est de lever ensemble. Ensemble, revendiquer notre droit. Mais là, je félicite tout le monde, tout un chacun, tous ceux qui se sont déplacés, qui ont fait le déplacement pour ici ce soir. C'est pour vous remercier. Et ensemble, on va applaudir pour vous tous. Je dis applaudir pour vous tous pourquoi? C'est parce que vous avez montré que vous êtes les jeunes dynamiques, que vous êtes les jeunes qu'on ne déplace pas juste avec 15 000 francs, juste avec 20 000 francs. Vous êtes venus moyennant quelque chose. Absolument rien. On ne vous a rien donné. Donc vous êtes déplacés. Malgré aujourd'hui, nous savons combien de fois il y a la préparation et la possibilité de faire gagner. Mais, donc, si je prends la parole, ce n'est pas pour m'abuser du micro, c'est sur ces mots que je dis à l'ensemble, bienvenue dans la forêt de l'Alliance de la Force pour le mouvement. Merci. Monsieur le coordinateur national du mouvement en forêt, à présent nous allons procéder à la présentation de la loge officielle, chose d'ailleurs qui devrait être faite en premier lieu, mais rien n'est tard. Donc je vais passer à la lecture afin de pouvoir vous présenter ceux qui prennent aujourd'hui place à l'ordre officiel. Nous avons en premier lieu le coordinateur national du mouvement, M. Kaban François. Et en deuxième lieu, vous avez le coordinateur national et le coordinateur communal de Matam, et ceci de moi, effectivement, M. Kaban Nous avons effectivement en troisième lieu le coordinateur communal des Caloum, Malik Bamboula. Ensuite, nous avons le coordinateur communal des appartements. Bon, à ce niveau, nous avons deux représentants puisque c'est une grande commune. Donc, nous avons jugé nécessaire qu'il y ait des personnes pour pouvoir piloter les activités du mouvement. Et ça, c'est donc et monsieur Mamadou Ali Diallo et madame Diallo Bédissa Abbé. En ce qui concerne la commune de Matoko, nous avons à la tête de nos activités dans cette localité de la ville qu'on a pris, madame Tonino Solas Assano. Et enfin, nous avons le grand conseiller du coordinateur de notre mouvement, et ça c'est bien comme ça, Kamara. Donc voici en quelque sorte la présentation de la physionomie de la loge officielle. À présent, je vais passer la parole à monsieur le coordinateur national du mouvement. Je commencerai d'abord par qui nous sommes. Qui nous sommes? Maintenant, l'alternative crédible pour la Guinée, ce que nous ne faisons pas. Nous ne voulons pas régler les problèmes de notre pays par la force et être indécents. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes
qui réglera les comptes. Nous ne sommes ni des nostalgiques, ni des revanchards. Nous ne sommes pas un groupe d'individus sans foi ni loi. Nous ne critiquons pas pour critiquer. Nous ne voulons plus d'un État qui écrase les citoyens et étouffe l'initiative individuelle. Nous ne sommes pas des hommes usés dans les systèmes qui ont conduit le pays à la catastrophe. Nous ne sommes pas des hommes usés dans les systèmes qui ont conduit le pays à la catastrophe. Nous présentons toute idéologie calquée sur un système venu d'ailleurs. Nous ne sommes pas un rassemblement venu d'ailleurs. Nous sommes pas des libéraux. Nous sommes un mouvement de France. Nous sommes des femmes et des hommes jeunes et vieux, tous unis dans la même supérieure de la vie. Nous sommes pour un dialogue fini dans la vie supérieure du peuple. Nous avons tous une occupation et des revenus. Et ne sommes pas des nécessités qui faisons de la politique. Nous sommes un laboratoire, nous sommes le rassemblement des femmes et des hommes de tout âge, unis dans le même idéal. C'est que nous voulons pour un change, pour notre jeunesse, la démocratie, nous voulons la liberté de penser, la liberté d'enfant. Que la loi et l'autorité soient respectées et affirmées, nous voulons que la liberté. Dès aujourd'hui, une équipe de jeunes, dynamique, convaincue, résolue à l'action. Nous voulons créer des vraies raisons d'espérer. Nous voulons un pouvoir légitime. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. D'après Félix, vous souhaite point. Il n'y a pas de honte à être heureux, mais il y a de la honte à être heureux. Notre projet de société, la diversité peut être utilisée comme un obstacle. On peut aussi en faire une force et une richesse. C'est à cela que nous attachons le système économique que nous attendons pour pouvoir et va s'appuyer sur deux piliers qui seront la libre entreprise et la participation. Le phénomène de notre pays, le phare des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, la situation actuelle, pouvoir d'achat limité des travailleurs, voire inexistant pour certains, désastre économique et social, faillite du système, famine, l'armée, recrudescence de la délinquance, taux de chômage très élevé. Dégradation du niveau de vie, système scolaire aucun, niveau scolaire nul, très faible. Nous devons construire une nouvelle Guinée sur les ruines du changement, car aucune fatalité ne condamne à la stagnation et au déclin. C'est à Washington, le 17 décembre 2016, le président du bureau exécutif. Au dessin et au et nous devons à forêt. Je vous remercie.
Et comme j'avais dit auparavant à certains qui ont participé à la première réunion qui était ici, de la forêt, le président de ce mouvement, M. Ismaël Bangoura, envisage dans le futur aider les jeunes. Il a actuellement contacté quelques entreprises aux États-Unis. Ils vont bientôt signer un partenariat, un accord avec M. Bangoura pour venir en Guinée aider les jeunes à trouver du boulot, à trouver de l'emploi. Et cet emploi, c'est quoi? C'est l'entreprise e-commerce. Et cette entreprise e-commerce, c'est l'entreprise qui est là juste pour aider les jeunes à sortir dans la crise économique. En quoi faisant, il est tous ceux, au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est connectée sur Internet. Donc il dit, le jour que l'entreprise sera là, ce qui se compris dans l'entreprise, il faut se former. Il va d'abord les former, après avoir suivi la formation, il va la responsabiliser chacun de pouvoir procéder à ce qu'on appelle à la vente des accessoires d'Apple. Apple, c'est une grande société du côté des États-Unis que nous connaissons tous, la marque Apple, qui est très 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 convoitée et qui fait vraiment aujourd'hui la une en matière électronique dans le monde. Donc, il est en train de négocier avec eux. Et si toutefois la jeunesse s'engage vraiment à relever le défi d'Aforeg, les membres d'Aforeg bénéficieront ici de cette formation, mais également pourront participer à ce qu'on appelle à l'installation et à la redynamisation de cette entreprise ici en Guinée. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous demander? C'est de partir chez vous, chercher à densifier ces mouvements un peu partout, à travers vos connaissances, à travers vos amis, à travers vos relations, un peu partout. C'est Paris que nous pouvons mobiliser toute la Guinée entière. Nous aurons cette capacité, nous aurons cette facilité, je le dis. Rien n'est impossible. Il faut seulement avoir le cœur et le courage de s'y engager. Et là, le reste, Dieu nous épaulera. Et là, la jeunesse qui est là, c'est la ferme conviction et c'est la confiance totale en cette jeunesse qui s'est mobilisée ici ce soir. C'est super bien quelque chose qu'on va mobiliser pour le palais du peuple. On pourra remplir le palais du peuple, voir le stade du 28 septembre, voir le stade de Londres. Donc, applaudissez pour vous-même. Ok. Il s'agit effectivement de l'intervention de cinq représentants de la commune de Conakry. Je vais donc commencer avec la CPP. Nous avons suivi avec intérêt l'intervention de Monsieur le coordinateur national du mouvement. Il faut encore rappeler que nous sommes un mouvement politique. Nous ne sommes pas un parti politique. Un
Nous ne sommes pas affiliés à un parti politique. Nous ne faisons pas la politique d'un parti politique. Nous sommes un mouvement politique qui intervient à ce que les conditions de vie des citoyens guinéens puissent être améliorées. Et dans ce cas, en général, et la Guinée en particulier, la jeunesse est sans espoir. C'est une jeunesse qui ne bénéficie pas d'un enseignement de qualité, une jeunesse qui, pour laquelle les autorités n'ont pas de politique afin d'améliorer les conditions de vie. Donc voilà ce qui a poussé la guerre. Notre patron, M. Ismaël Mamoura, cette allocation,
comme la portée internationale, on a si bien éclairé. Moi d'abord, je vais commencer à rappeler quelques petits points. Certainement, ce n'est pas une première fois de militer dans un mouvement politique. Ce n'est pas une première fois d'assister à des partis politiques. On le sait tous, dans nos partis politiques aujourd'hui, aucun de nos partis politiques ne prévoit une formation. Nous le savons tous, aucun parti politique ne prévoit l'aspect de bien pour un jeune aujourd'hui. Si ce n'est pas de les appeler à des assemblées générales ou de venir de dire aujourd'hui faites ça, faites ceci, faites cela. On est tous comme vous, on est tous conscients de cela. Mais ici, à Forêt, c'est que la formation est la bienvenue. Ici, la formation c'est la bienvenue. Vous avez bien entendu ici, avec le coordinateur national, que bientôt nous serons. Monsieur Ismaël Bambo a signé un contrat avec la maison Apple. Vous n'êtes pas sans savoir que la maison Apple est la maison qui confectionne des téléphones iPhone. Aujourd'hui, nous savons que les téléphones iPhone sont dans le système le plus sécurisé au monde. Des tablettes iPhone, comme vous appelez tout le temps tablette, donc on se fait représenter par cette pompe qui est croquée à l'âme. Donc cette maison sera la bienvenue en Guinée de par notre foi, de par notre ambition, de par notre devoir, de par notre force, je veux dire. Si nous nous montrons assez dynamique, assez présent, assez, je veux dire, dévoué pour cette cause, je me dis que ce serait les bienvenus pour nous. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir également que tout le monde surfe sur Internet. Mais nous surfons sur Internet pour dialoguer avec nos amis. Cette histoire de e-commerce, je me dis que assez ne nous connaissent pas ici. Moi, je peux un peu vous en parler, c'est le commerce en ligne qui se fait sur Internet. Je peux rester en Guinée, vendre un produit en Europe. Je peux rester en Guinée, vendre également un produit en Guinée. Et de partout par le monde. Voyez-vous, il suffit juste de s'y initier dedans. Et aujourd'hui, Avoré vous permet de faire cette commercialisation. Tu es chez toi, tu fais ton petit commerce. Tu es à ton service, tu fais ton petit commerce. Partout où tu es, à travers une simple connexion de par ta tablette ou de par ton téléphone, tu peux faire ce commerce. Mais bien avant, avant de faire ce commerce, tu passeras d'abord par quoi? Par une formation évidemment. Donc, Avoré vous donne cette chance aujourd'hui. Avoré vous permet de vous dépendre de vous, mais pas de quelqu'un d'autre. Avoré n'est pas en mesure de payer tout le temps 50 de cette jeunesse. Mais il peut vous donner une partie de ce qu'il peut faire. Vous donner une auto-formation qui va vous permettre de vous auto-former, de vous auto-dépendre de vous-même. Donc, voici un peu, en quelque sorte, ce que je veux avancer d'Avoré. Comme je ne suis pas le seul, il y a également les autres coordinateurs communaux qui sont avec moi, qui certainement pourront me donner aussi un peu d'explication. Merci pour votre attention. J'essaie ensemble pour vous faire. Merci. Bonsoir à vous. Moi, c'est Tambour Amali, le coordinateur communal de la commune de Sabine. D'après les déclarations de tout un chacun, vous avez suivi avec intérêt l'intervention de M. le coordinateur national du mouvement politique et les autres coordinateurs communaux. Ce que moi je peux demander à tout un chacun, tant pour nous, c'est de s'unir, se donner la main et d'être soi-même, entreprendre nous-mêmes les jeux. Au lieu d'attendre l'aide du président de la République ou de sa classe politique. Donc tout ce que tu peux dire, c'est ça. Je ne vais pas beaucoup tenir la parole. Je vais passer la parole. Merci surtout à vous qui avez effectué le déplacement pour venir ici ce soir, nous aider dans ce mouvement, nous aider dans ce que nous voulons faire pour nous-mêmes, parce que à Forêt, ce n'est pas pour quelqu'un. À Forêt, c'est pour les jeunes. Avant de continuer mon allocution, j'aimerais d'abord rectifier quelque chose qui a été dit ici. Dire que Kaloum est une grande commune. Je veux préciser que Kaloum est la plus
de la ville. J'aimerais d'abord que vous me lisiez cette place, ce qui a écrit. Pour ne pas monopoliser la parole.
présent, nous allons procéder à la présentation de M. le vice-coordinateur national du mouvement. Il s'agit de M. Quand je dis de vous vendre à bon prix, c'est de vous défendre partout où les besoins sont présents dans notre intérêt.
auprès du président qui a dit avant de le réunir, on est en train de nous battre pour avoir une vision large. Et cette vision, on partagera avec vous. C'est quand vous décidez. Ce n'est pas parce qu'on dit aujourd'hui qu'il est en contact avec une société qu'on va partir. Poussez-nous à accoucher quelque chose de papier qui va être partagé entre vous et nous. C'est vos mains. Donc, quand je prends la parole, ce n'est pas pour me reposer parce que je voulais être avant 7 heures-là, mais le temps m'a pris et je vous présente mes excuses et je vous encourage à venir massivement. Merci. Mais avant cela, monsieur le coordinateur national a quelque chose. En ce qui concerne la participation citoyenne des adhérents, d'abord, monsieur le président du secouchement a demandé à ce que tout un chacun essaie de se connecter sur Facebook. Je pense que la majorité est connectée. Vous allez vous connecter sur le groupe Afroleg. Quand vous tapez à la barre de recherche, à partir de là, vous pouvez trouver directement l'image et tout ce qui est là comme information. Vous pouvez vous imprégner des réalités des Afroleg. Donc, il y a demandé à ce que chacun se connecte, même si dans la salle, vous allez vous connecter, vous mettez Afroleg et vous verrez l'image va sortir. Alliance des forces pour le renouveau en 2020. En plus de cela, je vais vous parler quelque chose. Entre jeunes qui sont ici, nous savons qu'est-ce qui nous a poussé aujourd'hui, à des formations politiques, à des partis politiques. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Et là pour aider bien et bien la vie. Les préoccupations majeures, c'est quoi? Est-ce que vous vous êtes demandé une fois? Est-ce que vous avez pu analyser une fois, vraiment autour de la politique? Quelle est la vision que ces politiciens ont? C'est juste pour nous amadouer? C'est juste pour nous nationaliser? C'est juste pour nous mettre à la patronne, c'est juste pour nous mettre face au danger et après tout, ça va revenir à leur propre intérêt. Le jour qu'ils seront au pouvoir ou le jour qu'ils vont arriver au pouvoir, quand je vais là, échanger avec lui, d'accès avec lui, échanger avec lui, pour accéder à son bureau, ça sera tout à fait des problèmes. Il faut passer par des sacrifices pour pouvoir accéder au bureau de l'Union. Et d'après la lutte ensemble avec nous. Mais après que tu as oublié, totalement. Mais comment on n'a jamais, la jeunesse vient, n'a jamais pensé un jour à se lever pour dire que nous voulons le travail. Je n'ai jamais assisté à cette manifestation ici à Guinée. Malgré le nombre de jeunes diplômés qui sont déversés sur le marché d'emploi à la fin de chaque année, mais vous verrez toujours encore ces jeunes-là sont là juste pour demander même 10 000 francs pour dire bon voilà, je fais partie de dans ce pouvoir chaque année. On n'a pas fait une demi-synthèse, on n'a pas pensé à nous-mêmes. Qu'est-ce que moi je vais devenir nous-mêmes? La jeunesse, bientôt, on va sortir de la place de la jeunesse. Bientôt. Mais on ne sera pas parti. La jeune africaine, d'abord, se dit qu'on est jeune à l'âge de 15 à 35 ans. Là, on est jeune. Et la jeune de l'ONU, appelons d'autres amis. Allez faire ce qu'on appelle la mobilisation ou la vulgarisation ici d'Afrique un peu partout à voir vraiment à l'intérieur.
Donc, je vous remercie. Maintenant, il y a quelqu'un qui a des questions à poser. Ça va, je vais poser un mot. Je veux dire juste si ma forêt super, si c'était un mot Donc c'est pour dire, après, elle est là pour du bien. On vous a parlé.
On a beaucoup de passion et d'intégrité. On a développé avant de vous parler d'abord de la politique de la forêt. Quelle est la politique de la forêt? On a parlé de la vision 2020. Il y a quelqu'un qui a posé la question, mais je reprends en répondant à celui qui a posé la politique de la forêt. On voit les jeunes qui sont piétinés dans les parties politiques. Les jeunes qui sont marginalisés, qui sont réutilisés même. Ils ont du mal à être choisis au premier plan dans les partis politiques aujourd'hui. La politique de la forêt, c'est quoi? C'est pousser ces jeunes à occuper la première place dans ces mouvements politiques. C'est ça la politique de la forêt. Ce n'est pas un parti politique qui est là à se présenter pour faire quoi que ce soit, non. Mais si ces jeunes-là sont dans la forêt, on peut leur soutenir dans leur ambition dans les partis politiques. Donc, c'est pour vous dire, je crois qu'il y a tellement pour répondre à l'année 2020. Pourquoi vous avez peur de dire les mots? N'ayez pas peur de dire les mots, dire si on a l'ambition pour 2020. Extrêmement, nous qui sommes là, qui peut se présenter ici pour gagner les élections en 2020? Personne n'a tourné ici. Mais qui puisse t'accompagner et te soutenir moralement pour accéder au premier plan à la place que nous voulons. C'est ça notre vision de 2020. On ne peut rien dire sans notre vision. Ce n'est pas dit on est prêt à partir sur une base politique, non. Pour l'instant, à pour être un moment pour pousser les jeunes à prendre les compétences. Merci. Est-ce que je peux dire ça à la radio? Si ce n'est pas des rencontres comme ça,
Même Kaba qui a assis comme ça, il ne sait pas si je suis directeur. Mais je reprends que je suis chef de division là où je suis. Je crois que c'est une personne qui sont payées par moi. Est-ce que toi tu n'es pas ambitieux de faire plus que ce que j'ai aujourd'hui? C'est ça mon boulot. La sincérité, c'est juste là-bas pour nous. Ce n'est pas un mouvement politique. Comme le dit, ce n'est pas un mouvement politique. Hein? Cela dépendra de notre ambition. De la mobilisation. Mais cela ne dépendra pas de la volonté individuelle. Ce qui veut dire, ensemble, on s'assoit, on se dit, bon voilà, aujourd'hui, on a la telle ambition, soit réglée. Et comment on va régler la situation? Ce n'est pas de venir de rentrer toujours la même personne. Ce n'est pas de venir toujours. Ça n'est pas aujourd'hui, j'ai commencé par ça. Toutes ces questions-là ne sont pas venues ici parce qu'on est la première fois. Chacun a pêché le choix pour être ici. C'est ça un jeune leader. On n'est pas un jeune, il faut qu'on te donne un drapeau de l'édifice qui est mobilisé. Celui qui te donne un drapeau de l'édifice qui est mobilisé, il va acheter ta conscience. Et finalement, je vais établir le nombre.
j'observe. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Et en fonction de mon niveau d'information et de persuasion, je vais voir est-ce que je vais adhérer à ce mouvement. Parce que je ne suis pas comme un des sergents de Guinée qu'on prend aujourd'hui comme ça. On vient de mettre en débat les 13 ans pour nous. On dit bien, on va aller. Bien, donc, mon impression par rapport à tout cela est que si les gens ont pris le temps de poser des questions, de savoir c'est quoi, plutôt, est-ce que c'est un mouvement politique ou un parti politique, c'est qu'il y avait des gens, en tout cas personnellement, détectés des divergences sur les interventions. Vous disiez les interventions. Quand on fait la synthèse de vos interventions, il y en a qui sont intervenus comme si c'était un parti politique. Et d'autres comme si c'était un mouvement politique. C'est ce qui crée des ambiguïtés dans nos compréhensions et de intervenir de façon à ce que nous puissions être informés largement sur ce qu'est réellement. Et puis, rien n'exclut à l'avenir ce mouvement à se transformer en un parti politique. On va faire attention aux expressions parce que vous avez dit qu'on est là pour se dire la vérité. Thank you.
Grâce à notre mouvement
la jeunesse guinéenne a eu ce qu'on appelle la prospérité. La jeunesse guinéenne a eu ce qu'on appelle la foi. La jeunesse guinéenne vraiment a contribué efficacement au développement de cette nation. Donc, c'est un défi que nous sommes lancés. Et ensemble, nous allons relever ces défis. Donc, je vous remercie dans l'ensemble. Merci beaucoup.